Faire la politique autrement, c'est sous ce thème que s'est tenue la première session ordinaire du bureau politique du mouvement républicain à Dolisie. Cette rencontre, placée sous le patronat de son président exécutif national Destin Gavé, avait à son ordre du jour plusieurs points parmi lesquels les questions relatives à la vie politique nationale, le bilan du parti en 2019 et ses perspectives en vue des prochaines échéances électorales. Après travaux de réflexion, les résolutions suivantes ont été retenues et adoptées. Le siège national du parti se situera à Dolisie. Les fédérations déjà installées, à l'instar de Pointe-Noire, Brazzaville, l'Alekoumou et la Bouenza, se doteront des sièges fédéraux. L'installation du parti dans les 8 fédérations restantes courant 2020. Les membres du bureau politique ont décidé, à l'unanimité, la candidature à l'élection présidentielle de mars 2021 du président exécutif national Destin Gavé. Clôturant les travaux, Destin Gavé, qui s'est félicité du bon déroulement de ces échanges, a remercié l'ensemble des participants sur le choix porté en sa personne. C'est avec joie immense que je félicite tous les membres du bureau politique. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier l'ensemble des membres du bureau politique sur le choix porté sur ma modeste personne pour représenter le parti à l'élection présidentielle de mars 2021 et surtout de la remporter. C'est par ces remerciements que je déclare fermés les travaux de la première session ordinaire du bureau politique du mouvement républicain. Je vous remercie. Débutés à 9h, ces travaux ont pris fin à 14h. En prit part les différents bureaux des fédérations déjà installés sur toute l'étendue du territoire national.